Alors l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, oui, on peut. Ça y est, je peux mettre Stella sur la rampe? Bientôt, Coxigru. D'accord. Maintenant, c'est bon? Ne sois pas pressé, on a largement le temps. Tu dois attendre que le béton soit pris pour mettre Stella en place. Encore un peu de patience. D'accord, Bob. Je serai patient. Mais je suis prêt! Voilà. Ça, c'est fini. Oh, ils ont fini. Je dois aller chercher Stella. On se calme. Sois gentil, montre-la nous. Je veux la voir aussi. Arrêtez, je dois la porter jusqu'à la rampe de lancement. Oh là là, ça tangue, doudou. C'est trop tôt, Coxigru, arrête. Surtout, n'avance pas! Non, tu vas déchirer le parachute! Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Que se passe-t-il? Stella! Tout est perdu! May, je suis vraiment, vraiment désolée! Je voulais que tout se passe bien, mais tout se passe mal! C'est une catastrophe! Coxigru, je t'avais pourtant demandé d'être patient! Maintenant, je n'arriverai jamais à battre le record! Mon rêve est recouvert de béton pas sec! Ne t'inquiète pas, on fera décoller Stella d'une façon ou d'une autre! Ah oui? Vous pouvez vraiment faire décoller Stella? Oui, oui, on peut! Le décollage est prévu dans 2 heures. Alors c'est parti, le compte à rebours a commencé. Tu verras, on sera prêt. Je sais que je peux compter sur toi et sur ton équipe. Coxigru, tu vas commencer par sortir Stella du béton. À tes ordres. Tout doucement. Oui, comme ça. Bon, écoutez l'équipe, on va installer une nouvelle station de lavage automatique pour Fabrice. Pardon, dégagez le passage. Désolé, Rollo. Bon, comme je disais, les voitures rentreront de ce côté, le portique s'avancera au-dessus, puis les brosses se mettront à tourner pour commencer le nettoyage. Bip, bip. Désolé, j'ai oublié un coin. Et une fois le lavage terminé, la voiture propre sortira de l'autre côté. Ouh, ça a l'air très amusant. Je peux me faire laver? Ben, ce n'est pas une bonne idée. Tu es beaucoup trop grand pour la station. Coxigru a raison. Le lave-auto est fait pour les voitures et les vannes. Pardon, je dois aplanir partout. Prêt pour une autre fournée d'asphalte? Oui, Ben, merci. Et voilà! J'ai fini, c'est plat partout. Ah non, 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 ce n'est pas assez plat là-bas. Rollo aime que son travail soit absolument parfait, n'est-ce pas? Mais parfois, il aime un peu trop que tout soit absolument parfait. Bob, je pensais que la station serait en état de marche à cette heure-ci. Désolé, Fabrice, Rollo est encore au travail. Tu sais que l'eau et l'électricité sont coupées à cause des travaux et je ne peux même pas faire un plein d'essence. Ça y est, les amis, j'ai fini. La surface est bien lisse. Oui! Parfait. Écoutez, on a pris un peu de retard. Il va falloir travailler vite. Zoé, Léo et Coxigru, la première chose à faire, c'est d'assembler le portique pour le poser ensuite sur les glissières. D'accord. Oui, Léo, tu seras chargé de brancher la station de lavage à l'arrivée d'eau. Compte sur moi. Toi, Zoé, tu brancheras le tableau de commande à cet endroit. C'est noté. Bob, est-ce que tu veux que je repasse encore une fois? Je te remercie, Rollo, mais non. Il faut qu'on avance. Alors, est-ce qu'on peut... Oh, quoi encore? Bonjour, Philippe. Bonjour, mon cher Fabrice.
Dites-moi, vous n'êtes pas encore ouvert? Malheureusement, Madame le maire, on a du retard. Mais il est prévu que Philippe soit la première voiture à utiliser la station de lavage. N'est-ce pas exact, Philippe? Ce privilège m'est en effet réservé, monsieur. Regardez, c'est dans l'emploi du temps. On n'en a pas pour longtemps. Vous pouvez revenir plus tard? Comment ça, revenir plus tard? Voyons, cela nous mettrait en retard pour la conférence des apiculteurs. Et si nous sommes en retard à la conférence des apiculteurs, nous serons en retard au repas des routiers. Et si nous sommes en retard au repas des routiers, nous serons en retard à la... Oh! Nous reviendrons dans un moment. En route, Philippe! Oui, madame. Oh! Yo-ho-ho! Hissez haut, capitaine! Hissez haut, capitaine! Bonjour à tous! Ohé, marin d'eau douce! Je veux dire, Bob! Tout va bien, monsieur Bentley? Nous faisons un petit échauffement vocal avant la répétition, la première de mon nouveau chef-d'œuvre pour une poignée de pirates, qui aura lieu ici au théâtre de la colline de Beaufort ce soir. Vous venez tous, n'est-ce pas? Bien sûr qu'on vient! Et en plus, on a une bonne nouvelle! On est venu rénover ce vieux théâtre spécialement pour les pirates impitoyables que vous êtes! Ah! Bravo! Oh, avant de commencer les travaux, Bob, si vous vous échauffiez la voix avec nous un petit peu. Eh bien... Allez, allez! Réveillez le pirate qui est en vous en criant clairement et bien fort « Hissez-en, moussaillon !» Allez, vas-y, moussaillon! Oh, ah, moussaillon! Ce n'était pas si mal... Pour un débutant. Moi, je t'ai trouvé formidable, Bob. Merci, Ben. Mais je suis bricoleur, pas acteur. Je préfère être sur le chantier que sous le feu des projecteurs. Maintenant, on se met au travail. Tu aurais dû le dire comme ça, Bob. Hissez-en, moussaillon. À l'abordage, mille sabords. Larguez les amarres à la baille, satané gredin. Oh, merci, merci. Arrêtez, vous allez me faire rougir. J'ai l'impression que votre bétonnière a raté sa vocation. Viens avec moi, Tourneboule. J'ai un rôle de premier choix à te confier. Oh, je vais monter sur scène, Bob. Eh bien, ton ciment va monter sur scène. Oh. C'est l'heure de malaxer. Ciao, ciao, brûlez les planches. J'espère qu'il n'y aura pas d'incendie. C'est une expression, Ben. Ça veut dire avoir du succès. Oh, tchou-tchou, flambez les planches. Tourneboule, on doit utiliser le ciment à prise rapide des sacs verts pour qu'il soit sec à temps pour la répétition. En d'autres termes, nous n'utiliserons pas le ciment à prise lente des sacs rouges aujourd'hui. D'accord, Bob. Sac vert, pas rouge, c'est noté. Pendant que Léo et moi, on pave la scène, Zoé s'occupera de construire la billetterie. On est prêts, l'équipe? On est prêts, capitaine! Madame le maire? Madame Madison est occupée pour le moment. Je vous enverrai la liste complète de ce qu'il nous faut. D'accord, je serai là à la première heure demain matin. Est-ce que tu as déjà construit un parquet amortissant? Non, mais il y en a souvent dans les salles de danse. Quand j'étais petite, je prenais des cours de danse de salon. Regarde, les parquets amortissants absorbent les chocs. Ils permettent de danser sur un sol plus souple et aussi d'éviter de se faire mal. Oh, celui-ci a l'air parfait pour danse de choc. Bob, si vous saviez comme je suis impatiente d'être à ce soir. Vous savez danser? Oh! La réponse est non. Désolée. Il suffit de savoir compter pour savoir danser, Bob. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Très jolie, madame le maire, mais on devrait se mettre au travail. Oh, bien sûr. Suivez-moi. Je vais vous montrer où Sylvain veut la piste de danse. Je n'aurais jamais cru qu'un jour je verrais madame Madison avoir le béguin pour un danseur d'émission de télé. Tu peux commencer à décharger, s'il te plaît? Oui, je vais même le faire en moonwalk. Ouh, tu marches à reculons? Qu'est-ce que tu es doué! C'est une danse qui s'appelle le moonwalk. Waouh, je vais essayer! Tu as seulement fait marche arrière, Scoot. Oh, tu as raison. Tu veux bien m'apprendre une autre danse, Léo? Madame Madison a dit qu'il suffisait de savoir compter pour savoir danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Il faut compter en donnant un rythme, Ben. 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai compris! Moi aussi!
1, 2, 3. Moi vite, je n'y arrive pas, c'est trop dur. Essaye ça, je parie que tu peux y arriver. Désolé. Je danse, les amis. Je n'y arrive pas parce que je ne suis pas comme il faut. Non, ne dis pas de bêtises. Tout le monde sait danser au moins un petit peu. Ce qui importe, c'est ce que tu ressens. Ce n'est pas de savoir si tu es bon ou non. Tu viens, on va décharger. D'abord, on pose des bandes de mousse sur la première couche de latte. Et on pose une deuxième couche de latte perpendiculaire à la première par-dessus. On fait des carrés. C'est tout à fait ça. Enfin, on pose une dernière couche de latte toujours perpendiculaire. C'est ce qui fait l'amorti. C'est la méthode. Comme quand on tresse un panier. La piste de danse doit faire 35 mètres de long et... Vous avez vu ça? C'est une boule à facettes. On va l'accrocher au-dessus de la piste. Quand elle tourne, la lumière est reflétée sur les petits miroirs. Comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Ça me plairait beaucoup de danser sous une boule à facettes. Si on ne se met pas rapidement au travail, personne ne pourra en profiter. Allons-y! Bonjour, l'équipe! Bonjour, Bob! C'est notre dernier jour de démolition, les amis! Quand on aura démoli cette vieille usine, on pourra commencer les travaux dans le nouvel immeuble. Trop bien! J'adore démolir des bâtiments! C'est trop amusant! Oh, Scoop! Enfin, ce n'est pas aussi amusant que de les construire, cela va sans dire. Mais la cheminée est très très grande! Comment on va faire pour la démolir, Bob? On ne va pas la démolir, Ben. On va carrément la faire exploser. Ouais, avec des explosifs. Badaboum! Ce sera une explosion très contrôlée, Léo. Oh oui, bien sûr. Vous êtes sûr qu'on doit utiliser des explosifs? Ça a l'air très dangereux. Eh bien, nous avons suivi notre formation de démolition et nos certificats prouvent que nous sommes habilités à nous servir d'explosifs. Waouh! Un certificat pour pouvoir faire boum! J'en veux un, moi aussi! Mais est-ce que l'explosion va faire un gros boum? Je n'aime pas beaucoup quand le bruit est trop fort. Eh ben moi, j'adore! Un bon gros boum! Badaboum! Scoop! Alors, l'équipe, est-ce qu'on peut démolir l'usine? Oui, on peut! Écoutez tous les deux, vous allez casser les murs intérieurs et sortir les poutres ici, à l'entrée principale. Zoé et moi, on va démolir la deuxième entrée à l'autre bout du bâtiment. Avec des explosifs? Pas encore, chaque chose en son temps. D'accord, Bob. Rien ne pourra résister au pouvoir de Scoop le démolisseur. Du monde. Coxigru, pourquoi tout ce... Tous ces booms soudains me font sursauter et me font peur. Je t'avais dit que je n'aimais pas du tout les gros bruits. Mais on a des tractopelles, des bricoleurs et des camions grues, Coxigru. C'est notre travail de faire des gros bruits. Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à l'explosion de la cheminée. Tu vas voir, elle va faire un méga bruit, genre badaboum. Comme ça. Tu peux éviter de faire ce bruit. Quoi? Même pas un petit badaboum? Non, ça ne me plaît toujours pas. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. La créologue?
Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Hein? Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une mauvaise nouvelle. Oh. Regardez sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa. Hein? Les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Comme nous, Scoop. En parlant de construction, Docteur Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins un mois. Un mois? Oh, c'est trop long! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Oh, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur. Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante. Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Coupe. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens, qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. Prête à finir les travaux du nouveau pont pour piétons de Springville? Oui! Quel est le programme? Bon, avec la construction des fondations et la mise en place des piliers sur lesquels le pont repose, on a terminé la première étape des travaux. Étape numéro 2. On commence aujourd'hui le montage des pylônes. On avancera section par section en posant dalle par dalle. Pour les renforcer, on reliera chaque dalle au pylône grâce à des câbles en acier. Le pont doit être fini lundi matin pour les gens qui vont travailler et les enfants qui vont à l'école. Alors, on peut le faire? Oui, on peut! Pourquoi vous êtes si près du bord de la rivière? L'eau, ça m'a toujours rendu nerveux. Léo dit qu'il y a plein de poissons dans la rivière Zigzag. Je n'en crois pas un mot. Tu as tort, il y en a des tas. Ici, une fois, j'ai pêché un poisson grand comme ça. Si grand que ça? Oui, avec une bouche gigantesque, des centaines de dents pointues et une crête de piquant sur le dos. Ah. On ferait mieux de remonter là-haut sur le pont. Bob et Zoé doivent avoir fini la peinture. Soixante-six, soixante-sept, soixante-huit. Oh! Ah, Bob! Bonjour, monsieur Bentley. Bonjour, monsieur Bentley. Qu'est-ce que vous faites avec une roue de mesure? Oh, demain a lieu le quart de marathon de Springville et je mesure la distance exacte. C'est quoi un quart de marathon? C'est une course qui se dispute sur 10 km 500. 10 km et 548 mètres pour être précis. Ce qui veut dire que la ligne d'arrivée doit être à 18 mètres et 28 cm derrière ce trait. Dans la rivière? Mais non, voyons, Léo, pas dans la rivière. Madame le maire tient à ce que la ligne d'arrivée soit sur le nouveau pont. Vous avez dit que la course a lieu demain.
Le pont ne sera jamais terminé. Pourtant, ma chère Zoé, il le faudra bien, sinon les coureurs devront s'arrêter de courir et finir à la nage. Si on travaille dur, je crois qu'on peut le terminer à temps. Excellente nouvelle, parce que Madame le maire veut qu'en franchissant la ligne d'arrivée, le vainqueur inaugure officiellement le pont. Dans ce cas, on doit mettre le turbo pour finir le pont. Au travail, les... Léo, je ne pense pas que Roland apprécierait que l'on s'amuse avec ses jouets. Bienvenue dans mon tout nouvel entrepôt, Bob. Qu'est-ce que tu en dis? Waouh! Oh, ça alors, il est énorme! Ce n'est pas trop dur de gérer un entrepôt tout seul? Si. C'est pour cette raison que j'ai besoin que vous installiez un système robotique de prélèvement avec des bras robotiques à grappins. Waouh! Des bras robotiques à grappins? À quoi ils serviront? Ils feront tout le travail. Ils attraperont le cadeau sur l'étagère, puis ils viendront le déposer sur le tapis roulant. Ensuite, le cadeau avancera jusque dans cette boîte où il sera emballé. Et enfin, il passera par cette ouverture et tombera directement dans un camion de livraison. Et il faut que le système soit opérationnel pour demain soir, c'est ça? Oui, pour demain 20h. Sinon, mes clients ne recevront malheureusement pas leur cadeau à temps pour Noël. Tu peux compter sur nous. On se met au travail. Je vous laisse. J'ai une longue liste de commandes à trier. Hé, hey, je suis un bras robotique à grappins. Tu sais, les bras robotiques sont plus que des machines qui font des mouvements bizarres. Je le sais, j'avais construit un robot à l'école. Est-ce qu'il était fabriqué avec des rouleaux de papier toilette et couverts de paillettes? Non, Scoop, c'était un vrai robot. Comme Zoé est partie pour les vacances de Noël, je vais avoir besoin de ton aide et de tes connaissances. Tu as vu la taille du mode d'emploi de cette machine? Je n'ai pas besoin de lire ça, moi. Je sais tout sur la robotique. Parfait. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, oui, on peut! On a presque fini d'installer le système de prélèvement. Encore deux bras robotiques à monter et c'est bon. Excellent travail. On va faire un test. Bon, disons que quelqu'un qui habite à Rivière-Ville me commande un ballon de foot. Oh. Les ballons sont rangés dans la colonne K, niveau 3. Allez, C. Oh. On le dépose sur le tapis roulant qui le transporte jusqu'au poste d'emballage. Et le fait tomber dans le camion de livraison. Alors l'équipe, on commence tôt aujourd'hui parce qu'on a une journée très chargée. On va se séparer en deux équipes. Léo, Rouleau et Tourneboule, vous venez avec moi. Désolé. Ouille. Désolé. Qu'est-ce que vous faites? Bon, pendant que Zoé et son équipe seront sur leur chantier, vous serez avec moi à la plage pour construire un stand de crème glacée pour le chef Papy. Mais toi, Scoop, tu ne travailles pas aujourd'hui, je veux que tu te reposes. Tu as creusé beaucoup de trous ces derniers jours. Et c'est quand on est fatigué qu'il y a des accidents. Si tu prends soin de toi aujourd'hui, tu seras en pleine forme demain. Tu as un Tokiwoki avec toi, tu pourras toujours me joindre en cas de besoin. Oh, d'accord. Tu verras, ça te fera du bien. Bob, si on finit tôt, on vous rejoindra à la plage cet après-midi. Chouette! Bon, on y va, en route. Direction la plage. Tu en as de la chance, Scoop. J'adorerais avoir un jour de repos. Vraiment? Qu'est-ce que tu ferais pendant ton jour de repos? Moi, j'irais sûrement à la plage. Oh! Attendez-moi! Chef Papy, vous avez choisi l'endroit parfait pour votre stand de crème glacée. Merci, Coxigru. Aujourd'hui, ça va être le jour le plus chaud de toute l'année. Alors, je me demandais, Bob, tu penses que le stand pourra être prêt pour cet après-midi? Parce que tout le monde voudra se rafraîchir avec une bonne glace. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut!
je m'ennuie. Si seulement il y avait quelqu'un pour jouer avec... Hé, Sardine, tu veux faire un truc? Oh, on pourrait faire un jeu. D'accord, je ne connais pas ce jeu. Est-ce que je dois tout faire comme toi? Je dois t'imiter? Sardine, tu veux jouer à autre chose? Sardine! Oh, qu'est-ce que j'aimerais être à la plage avec l'équipe? Hein? Pas d'endroit où dormir. Attends, Bob. Alors, d'accord? Non, Sardine, ce n'est pas pour toi. Bonne nuit, Ben. Fais de beaux rêves, passe une bonne nuit. Mets ton frein à main, tu n'auras pas d'ennui. Oh. Merci d'avoir laissé vos box pour la nuit. Tu avais raison, Léo. Nos box sont comme les box des chevaux dans les écuries, juste plus grands. Ça tombe bien. Trois box pour trois chevaux fatigués. Trois seaux d'avoine et trois seaux d'eau. J'ai vraiment l'impression d'être un cow-boy maintenant. Oui. On va dormir tous les trois à la belle étoile. Comme dans les westerns américains. Bien joué, cow-boy, bravo. C'est chouette de dormir à la belle étoile. Il ne nous manque qu'un bon feu de bois. Bravo, je suis fier de vous. Ça nous a pris toute la nuit, mais on a réussi. Après la course, les chevaux dormiront comme des bébés dans leur nouvelle écurie. Les jockeys sont prêts. Les chevaux sont Ils ne seront pas les seuls. Tout le monde attend le départ. Oh, je crois que la course va bientôt commencer. La guerre, ils sont partis. La course va être extrêmement sévère. Faites de beaux rêves, Tagada, Tagada. Et voilà, squelette reconstitué. Quel soulagement! Je peux enfin me détendre et peut-être même prendre le temps de manger mon déjeuner en paix. Non, attendez! Qu'y a-t-il? Regardez, il manque un os, là! Mais ça n'a pas de sens! C'est impossible, voyons! Où peut-il bien être? Oscar! Oh non, pas ça! Oscar! Tu es un bon chien. Donne-moi cet os. Sois gentil, Oscar. Tu es un bon toutou. Rends-nous l'os de dinosaure, s'il te plaît. Oh, quel malheur. Madame le maire doit arriver d'une minute à l'autre. Oh, si seulement on avait quelque chose à manger à donner à Oscar en échange de l'os. Tu veux dire quelque chose comme un sandwich à la saucisse? Mais c'est mon déjeuner. Une seconde, je crois que j'entends la voiture du maire arriver au coin de la rue. Sommes-nous forcés de... Oui, bon... Oh, d'accord. Je vous le donne. Tiens, Oscar. Comme ça sent bon. C'est pour toi, mon chien. Oh.
Bob. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour madame, madame le maire. Eh bien, c'est une grande réussite. Springville a maintenant son propre squelette de tyrannosaure. J'espère qu'il n'y a pas eu de problème pour l'installation. Des problèmes? Non, 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 aucun. C'est moi qui ai supervisé toutes les opérations. Vous savez que vous pouvez vous fier à moi pour mener à bien un travail. Monsieur Bentley, arrêtez de jouer avec ce chien. Je veux voir ce fameux dinosaure. Je n'aurais jamais cru que Monsieur Bentley aimait tant les animaux. C'est ça, mon chien. Va-t'en coucher. Oh, le chef papy a encore frappé. Je parie que son café-jeu va avoir un succès phénoménal. J'espère que tu as raison, Zoé. Ce sera grâce à votre travail acharné. Je croyais que tu venais plus tard. Non, je ne tenais plus en place. J'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Tout sera bien terminé à temps pour ma soirée d'ouverture, Bob. Alors l'équipe, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! Tout me paraît splendide. Ravi que ça te plaise, chef. Tu as fait ton choix pour la couleur des murs de la salle de danse? Non, mais je n'hésite plus qu'entre le rouge, le bleu, le vert et le jaune, si ça peut t'avancer. Pas vraiment. Et si on faisait des essais de couleurs sur le mur pour t'aider à choisir? Ce serait fabuleux. Je ferai mon choix quand j'aurai préparé les entremets pour demain. D'ailleurs, à ce propos, je devrais aller acheter les ingrédients. Y aura-t-il de la musique à la soirée d'ouverture? Oui, je compte mettre un CD qui fera danser tout le monde. Tu plaisantes, j'espère? Il te faut un vrai DJ. C'est quoi un DJ, Zoé? Un disque jockey choisit la musique. Il décide quelles chansons passer et l'ordre dans lequel elles s'enchaînent pendant la fête. Et les meilleurs d'entre eux créent même des mash-up, Ben. Ils mâchent? Comme quand on mâche un chewing-gum? Non, un mash-up est un mélange de deux morceaux en une piste. Je vais vous montrer. Chante ta chanson préférée, chef papille. D'accord. Les spaghettis du chef papille sont un vrai régal pour les papilles. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! C'est fou! Tu chantes merveilleusement bien! Et maintenant, voici l'enregistrement d'hier soir du groupe de musique de Zoé et de mon père. Ce sont de très bons musiciens. Merci, c'est gentil. Et mon téléphone a une application qui peut mixer la chanson de Chef Papille avec la musique de Zoé afin de créer ce mash-up. Mais c'est fantastique! Tu pourrais créer des mash-ups comme celui-ci pour la fête de demain, Léo? Oh, waouh! Oui, avec grand plaisir! Tu es engagé! Quelle belle invention! Aïe! Ce soir, il y a la kermesse d'Halloween de Springville. Ce qui veut dire que tout doit être installé en une seule journée. Alors, écoutez bien l'équipe. De ce côté, on va installer un barbecue où les gens pourront acheter à manger. Au fond, on va construire un labyrinthe de farces et friandises et un stand de pommes flottantes où il faut attraper des pommes dans une bassine d'eau avec la bouche. Moi, je trouve que c'est complètement idiot. J'ai hâte d'être à ce soir. Puis, à cet endroit, il y aura un stand de peinture sur citrouille. À l'entrée, derrière vous, on va construire une grande porte en forme de citrouille. Et pour finir, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Bob? Dis-le-nous. Flottant au-dessus de la kermesse, il y aura un énorme fantôme gonflable. Ah, c'est super! Génial! Il ne nous reste que peu de temps avant l'ouverture. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut! La préparation de la kermesse a l'air vraiment effrayante. Coxigru, ne t'en fais pas. Halloween n'a rien d'effrayant, tu sais. On s'y amuse comme des fous. Oui, comme des fous. Oh, malheur! Venez rencontrer l'équipe, on travaille tous ensemble. On forme une vie joyeuse, une joyeuse bande. Chantez avec nous, oui on peut taper dans vos mains. On se met tous à la danse.
Coxygru, tu es là. Je voudrais que tu ailles chercher le fantôme gonflable au garage de Fabrice. Tu es sûr qu'il faut vraiment que ce soit moi? S'il te plaît. Ben et Scoop sont allés chercher du matériel. Sans compter que ta grue sera parfaite pour le transporter. Oui, d'accord. Peut-être que si j'essaie de ne pas avoir peur, je peux y arriver. Merci beaucoup, Coxygru. Je savais que je pouvais compter sur toi. Puis dis-toi que tu n'as aucune raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Bon, Léo, tu vas commencer par peindre les planches de bois en orange avec une peinture fluorescente. Ça va briller dans le noir. Waouh! Livraison de planches de bois et de pots de peinture orange fluo. Allons-y, Zoé. On doit tester le labyrinthe de farce et friandises. Zoé, tous les ans, le jour d'Halloween, tu essaies de jouer un tour à Bob. Mais tu n'arrives jamais à lui faire peur. Vous verrez, cette année, j'y arriverai. Elle m'a bien eu, moi, en tout cas. Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui. Même toi, finalement, Léo. Merci, Bob. Je ferai en sorte de me concentrer sur une chose à la fois, dorénavant. Voilà une décision pleine de bon sens, fiston. Prête pour notre répétition, Zoé? Prête? Et comment? Mais tu sais, il nous faudrait vraiment un chanteur, maintenant. Eh bien, je ne sais pas chanter, mais je peux vous préparer du thé pendant que vous jouez. Super! Bonne chance pour tes mashups, Léo. Merci. Je parie que tu es surexcité pour demain, Léo. Oui. Tu n'as pas vraiment l'air surexcité. Je croyais avoir des tas d'idées, Ben. Mais maintenant que je suis concentré, je me rends compte que je n'en ai aucune. Ouh, Léo, j'adore cette chanson. Moi aussi. Mais je ne pense pas être capable de faire quelque chose de mieux que ça. Ah. Zoé et ton père jouent vraiment très bien. Oui, c'est vrai. Vraiment, vraiment très très bien. Oh, merci Ben. Tu viens de me donner l'idée du siècle. Tapement 5. Aïe. Oups. Je vous remercie infiniment pour votre travail excellent et vos idées innovantes. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Ma soirée d'ouverture est un succès assuré. Si tes mashups sont aussi bons que ta décoration, Léo. Eh bien, en fait, hier, je me suis rendu compte qu'il était préférable de faire une seule chose à la fois. Et après avoir fini les travaux, je n'avais plus le temps pour m'occuper de la musique. Alors, j'ai trouvé une solution bien meilleure. Accepterais-tu d'être notre chanteur? Le mash-up de ta voix avec notre musique nous a prouvé que tu serais parfait pour chanter dans notre groupe. Qu'en dis-tu, chef? Prêt pour ton premier concert? J'ai toujours rêvé d'être une rockstar. Décidément, tu es un véritable génie, Léo. J'adore ce petit bonhomme. Oh oui, je suis le grand chef de... Et mon four, mes glaces aux sardines ou aux crevettes roses, et mes feuilletés de saucisses au pruneau. Ça y est, je monte. Enfin, je monte. Je continue de monter. Oh non, c'est bien plus haut que je ne le croyais. Alors, est-ce que tu as une vue de tout Springville là-haut, Scoop? Oui, une très belle vue, Ben. Ouh, et à quoi est-ce que ça ressemble? Un grand espace vide. On dirait bien que cette expérience n'est pas celle qu'il attendait. Bien, maintenant il ne nous reste plus qu'à installer la cage d'ascenseur et... On dirait la voix de Scoop. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Il est en train de regretter d'être monté, si tu veux mon avis. Reste au milieu, Scoop. Ne débrague, c'est ton équilibre. Mini-Gru, il faut que tu redescendes la nacelle. Scoop est à bord. Bien reçu, Bob. Je le fais tout de suite. Mince. Oh non. Où est-il passé? Scoop, tu vas bien? Oh non! Je me tiens en équilibre, mais ça n'a jamais été mon point fort.
Comment on va le sortir de là? Je crois que j'ai une idée. Minigru, descends-moi la nacelle immédiatement. Zoé, on va avoir besoin du matériel de soudure. D'accord, Bob. Moi, je vais aller chercher les masques. C'est parti, Minigru. Emmène-moi là-haut. J'arrive. Reste bien droit. Ralentis. Et stop. C'est parfait. Scoop. Bob. Je te demande de rouler lentement jusqu'à moi. Je suis incapable de bouger. Il le faut pourtant. Je dois te faire redescendre. Je te demande de me pardonner, Bob. À cause de moi, l'ascenseur ne sera pas prêt pour Madame le maire. Ce n'est pas grave. Allez, avance dans ma direction. Je ne peux pas. D'accord. Dans ce cas, c'est moi qui vais venir à toi. Bon, je ne vous retiens pas davantage. J'y retourne. Je sens que c'est mon jour de chance aujourd'hui. Allez l'équipe, on reprend le travail. Qui sait? C'est peut-être nous qui aurons de la chance et qui trouverons le bouclier. Je crois plutôt que mon super détecteur de métaux le trouvera le premier, Bob. Je suis le chevalier Scoop, le chevalier le plus scoopissime de tout le royaume. Je suis le chevalier Ben et voici mon bouclier rouge argent. Maintenant, messire chevalier, le moment est venu d'ouvrir l'arche. Et voilà, Ben, tu peux dégager ces pierres. Dac-o-dac. J'ai fini mon travail, alors je peux chercher le trésor. Où est-ce que le prince a pu cacher son bouclier d'argent? Peut-être à côté de sa statue. Tu es sûr que c'est une bonne idée de faire ça, Scoop? Monsieur Bentley est à la recherche du trésor caché et moi j'ai envie de l'aider. J'arrive, Bob. S'il te plaît, attends-moi pour creuser. Le prince Roger charge en direction de la muraille du château. Alors peut-être que je dois chercher par là. Oh, je suis sûr que je chauffe. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bon, Scoop. Maintenant, tu peux charger les pierres. Oh, attention, qu'est-ce que tu fais? Je cherche le trésor caché. Arrête, surtout reste où tu es. Oh, oh, ne bouge plus. Hein? Salut, Bob. Salut, Zoé. Comment ça va? Pas très bien. On a un problème. On a besoin de tourneboules, de ciment et d'étai, le plus vite possible. On arrive. Génial, merci. Bien, Léo, va chercher Ben. Qu'est-ce qui se passe? En creusant au pied de la muraille, tu l'as fragilisée. Et maintenant, elle menace de s'effondrer. Oh non! Je suis désolé, Bob. J'ai creusé un trou pour trouver le trésor sans tenir compte de la muraille. On doit trouver le moyen d'éviter qu'elle s'effondre jusqu'à l'arrivée de Zoé. Ben, je veux que tu lèves ton godet et que tu le places contre la muraille. Oui, Bob. Doucement. Comme ça, c'est parfait. Toi, Scoop, avance très lentement. Il y a encore une trace, là. Et voilà, c'est bon, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse. Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex. Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette.
Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance. J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant. Oh, waouh! C'est extraordinaire! C'est très impressionnant, oui. Quelle magnifique ossature! Allons-y, mettons-le à l'intérieur. Faites bien attention, ce squelette est âgé de 65 millions d'années. Ouf, heureusement qu'il n'est pas tout neuf. Doucement, très bien. Attends, ne bouge plus. Je vais faire quelques photos. Oh, c'est génial. Ah, hein? Ce n'est pas normal, ça. Ah, ah. Il n'y a aucune chance que ça passe. Quoi? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes. Qu'avez-vous fait? Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Oui! Non! Non, je voulais dire 6 mètres de haut et 3 mètres de large. Oh, quel malheur! On a un problème. Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand. On ne va jamais réussir à le rentrer. Mais il faut qu'il rentre. Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain. Mais c'est impossible. On ne pourra jamais le faire passer par là. Si on le mettait sur le côté. Non, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen. Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer. Non, Coxigru, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire. Mais on n'a plus le temps d'attendre. Madame le maire va bientôt arriver. Je trouve que ton idée est excellente, Coxigru. Suivez-moi, jeunes gens. Nous avons un tyrannosaure à démonter. Béton a l'air extraordinaire. Il est rigolo, plein de couleurs et... gluant et... collant. Oh, oh. Scoop, oh. Ton béton n'est pas encore sec. Oh, mais le béton... Je sais, Coxigru, il n'est pas sec. Oh, oh non. Pourquoi il n'a pas séché? Je n'y comprends vraiment rien. Dépêche-toi, Scoop. Recule, recule. Je n'ai jamais vu un béton aussi bizarre. Je n'en reviens pas. Il a séché toute la nuit et pourtant, il n'est pas encore sec. Dis donc, Scoop, tu avais raison au moins sur une chose. Tout le monde ne parle que de ton béton. Oh, Bob. Tout ça, c'est de ma faute. Oh, tout le monde peut faire des erreurs, ne t'inquiète pas. Ce n'était pas une erreur, Bob. J'ai voulu faire un essai. Comment ça? Explique-toi. Quand j'ai vu le chef Papy faire des essais avec plein de couleurs et d'ingrédients, il avait l'air de tellement s'amuser que j'ai eu envie de faire la même chose. Je suis vraiment désolé, Bob. Je vais réparer les dégâts. C'est drôle. Je n'aurais jamais inventé rouge, mon célèbre milkshake pétillant et croquant, si je n'avais pas eu l'idée de marier la groseille, la rhubarbe et un sablé au fromage. Évidemment. Très intéressant. D'ailleurs, ton idée me donne une idée. Ben, ramène-moi au garage. Oh. Écoute-moi, Scoop. Je veux que tu recommences en utilisant des composants qui sortent de l'ordinaire et pas d'une poubelle. Oh, waouh! Du ciment jaune, rouge et bleu! Et un sac de gravillon! Et que du séchage rapide! Et moi? Je mélange tout pour toi! Bravo! C'est beaucoup plus joli que ce que tu avais fait avant. C'est gentil, Ben. Et voilà, voilà le quatrième et dernier essai du papilicieux Shake-tastique surprise. Excellent. Celui-là, il est vraiment Shake-tastique. Qu'est-ce que tu as mis dedans?
Des fraises. Simplement des fraises. Quelquefois, les recettes classiques sont les meilleures. Quoique, ça manque d'une petite touche de vanille. Plus vite, Coxigru, allez au galop! Léo, je suis une grue, pas un cheval de course. Alors mets le turbo et galope! Bonjour Henri, on est arrivé. Salut les chevaux! Jockey, pied à terre. Léo, tu peux descendre de ta monture? Je ne suis pas un jockey. Je suis un cow-boy. Wouhou! Eh bien, tu seras le premier cow-boy avec un casque de bricoleur. Cow-boy, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Henri nous a demandé de construire de nouvelles écuries pour ses chevaux. Ce ne sont pas de simples chevaux, Bob. Ce sont des chevaux de course, des purs sang. Ils sont super rapides et super nerveux. J'ai eu du mal à les attraper ce matin. Alors, s'il vous plaît, ne les effrayez pas. Il ne peut pas faire un peu moins de bruit? Non, Henri, pas vraiment. Je ne veux pas entendre le bip-bip des camions, mais le tagada-tagada des chevaux. Bon, puisque les panneaux sont là, on peut commencer. N'aie pas peur. Les écuries seront prêtes à temps. Tant mieux, la grande course de Springville a lieu demain. Les chevaux ont besoin d'une bonne nuit de sommeil avant la compétition. Allez l'équipe, on se met au travail. Léo, tu t'occupes de décharger les panneaux avec 2 tonnes. Oui, chef. Scoop et Coxigru, vous maintiendrez les panneaux bien droits pendant que je les fixerai avec Zoé. Ben, tu transporteras les bottes de paille. Alors, est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Va-t'en. L'un de nous est en trop. Il n'y a pas de place pour 2. Oh, d'accord, Léo. Je vais aller faire une balade sur les petites routes. Merci, Dutton. J'adore la campagne. Et surtout, n'oublie pas, cette fois, pas de marche arrière. Ne fais pas peur au Tagada Tagada avec tes bip-bip. Je pars tout doucement. La selle tombe sur le décor. Le plateau risque de prendre feu. Pas si je pousse le décor. Que personne ne bouge! Il faut désactiver tout le système. Et éteindre ces quelques flammes avec l'extincteur. Voilà! Ouf! On est en sécurité. Ben, c'est très dangereux les étincelles. Il ne faut jamais s'en approcher. Oh non, je suis désolée. J'ai détruit tout le plateau. Moi aussi je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi, mais les appareils pyrotechniques étaient à l'envers. Ça, c'est aussi ma faute. J'ai bousculé la barre sur mon passage et je n'ai pas attendu pour vérifier les voyants. Tout ça parce que je voulais rencontrer mon héros. C'est une catastrophe, Bob. Je dois absolument filmer cette dernière scène aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, on va sauver la situation à la manière de Super Éclair. Attends de voir. Tout est réparé, mais les supports de la façade de l'immeuble sont très endommagés. Je n'ai qu'à aller derrière en renfort. Mais Ben, Super Éclair est ton héros. Tu ne veux pas le voir en pleine action? Si, mais tant pis pour moi. C'est ma faute si le plateau est abîmé. Je veux voir tout le monde en place. Et... action!
Heureusement, une fois de plus, j'ai sauvé la situation et le monde. Avec Super Éclair, la foudre ne tombe jamais deux fois. Merci à tous. On remballe, c'est dans la boîte. Je me demande comment s'est passée la scène. Drôlement bien. Oh. Merci, Ben. C'est toi, Super Éclair. C'est moi. Avec Super Éclair, la foudre ne tombe jamais deux fois. Éclair. Oh. Un niveau à bulle. Éclair. Regarde-moi cette petite bulle. À gauche, à droite. À gauche, à droite. Je dois ranger mon matériel. À gauche. Éclair.